Urge, Moscou révèle ce qui se cache derrière les accusations de cyberattaque par les Pays-Bas. Les Pays-Bas ont expulsé 4 Russes soupçonnés d'une cyberattaque contre l'OIAT. La ministre néerlandaise de la Défense, Anke Bijleveld, a déclaré que les 4 Russes avaient tenté de mener une cyberattaque contre l'OIAC et qu'ils avaient été expulsés hors du pays. La défense néerlandaise a annoncé avoir déjoué une opération russe qui avait visé en avril l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, OIAC, basée à La Haye et expulsé 4 Russes possédant des passeports diplomatiques. Selon la ministre néerlandaise de la Défense, Anke Bijleveld, les Russes ont été expulsés du territoire des Pays-Bas le 13 avril dernier. Le renseignement néerlandais suggère que les services russes auraient tenté d'obtenir des informations relatives à l'enquête de l'OIAC sur l'empoisonnement des Skripal. Elle a en outre déclaré que les agents russes avaient tenté également d'obtenir des documents relatifs à l'enquête sur le crash du Boeing malaisien MH17. D'après la défense néerlandaise, les Russes ont installé une voiture remplie d'équipements électroniques sur le parking d'un hôtel voisin de l'OIAC à La Haye afin de tenter de pirater son système informatique, bien que le renseignement néerlandais ne révèle pas normalement ce type d'opération de contre-espionnage. Le gouvernement néerlandais estime que l'implication de ces agents du renseignement est extrêmement préoccupante, a déclaré Madame Bijleveld. Le Royaume-Uni a aidé les Pays-Bas à exécuter l'opération, a-t-elle ajouté. Selon l'ambassade de Russie à Londres, les déclarations de la diplomatie britannique sur les cyberattaques russes sont une « grosse désinformation de l'opinion publique britannique et mondiale ». Auparavant, le ministère britannique des Affaires étrangères avait déclaré que les autorités britanniques, avec un degré élevé de certitude, estimait que le service de renseignement militaire russe, GRU, avait organisé une série de cyberattaques à travers le monde, y compris au Royaume-Uni, et qu'il, avec ses alliés, était prêt à y répondre.